What's up, gens internet, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, les amis, un nouvel épisode sur iFactions, les amis, encore avec la même faction que j'ai depuis quelques temps maintenant. Donc aujourd'hui, j'ai décidé que j'allais faire une petite excursion dans le Nether. En fait, aujourd'hui, le but, ça va être de trouver une nouvelle forteresse qui n'a pas été explorée ou une forteresse qui n'est pas claim. Où est-ce qu'on pourrait récupérer un spawner de Blaze? Donc, voilà, voilà. En espérant qu'on ait un peu de chance et qu'on tombe sur un assez rapidement. Donc là, j'espère qu'il n'y a juste pas personne qui nous a vu. De toute façon, on va perdre par là et c'est fini. On va plus nous voir. Donc là, attendez un instant, c'est de l'autre côté qu'il faut partir. Parce que la dernière fois, j'étais parti de ce bord-là. Puis ça n'avait pas tellement bien été. Si vous vous souvenez, j'avais essayé de me suicider dans la lave. Si on va partir de ce bord-là, je pense qu'il y a deux spawners de ce côté-là en espérant qu'ils ne soient pas claimed par une faction. S'il est claimed par une faction, on essaiera peut-être d'acheter le claim. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est qu'un spawner de Blaze, ami. Pourquoi c'est intéressant? C'est que d'en avoir un dans sa base, c'est super, mais super OP. Vous pouvez juste pas comprendre à quel point. So, partons à la recherche de ceci, les amis. Je pense que j'ai réussi à clutch pearl, je suis pas sûr. Non, non, please, non. Oh my god. J'ai fait largement fail. Je pense que je vais mourir. Fuck. EC. Slash kit. J'ai plus aucun kit. RIP. Je suis mort. Je viens de perdre ma looting du chest loot. Au moins, j'étais pas P4. Là, on va y retourner P4 et on va prendre ma looting normale. Ma sharpness normale, en fait, parce que sinon, j'ai pas d'autres looting. Tabarnak. Je suis un peu fâché en vrai. J'exprime pas ma fâcheur, mais un petit peu quand même. On va pas se le cacher, les amis. Donc, on va prendre ça cette fois-ci. On va prendre de la bouffe pour pouvoir manger. Des speed au cas où. Et on va prendre des perles et on va prendre des heals. En cas de besoin, on n'a pas genre sûrement des pommes ici. Il y a aussi qui ont mis les pommes. Autre bloc, ils ont pas mis les pommes ici quelque part. Je sais pas, c'est bizarre. On va faire un petit slash spawn et on y retourne, les amis. À tout de suite. Ok, on est de retour dans le Nether pour jouer des vilains tours. Et normalement, si je dis pas de conneries, il y a une forteresse par ici. Si je me souviens bien, je vous l'avais montré dans la première vidéo que j'ai faite sur le serveur. Bon, la première que je parlais du Nether, etc. Je pense que je l'avais montré une qui était pas loin d'ici. Ah! Ok, attention. Était à environ 100 blocs, je pense. Bon, au pire, on s'en va dans cette direction-là jusqu'à temps qu'on trouve quelque chose, les amis. Puis on se retrouve après. J'ai perdu dans l'air, les gars. Je pense que j'ai retrouvé ma... Oh! J'ai retrouvé ma destinée, les amis. C'est bon. Oh non, je pense que je viens de faire... Genre, j'ai fait cette perle. J'ai réussi à perle comme ça. Vraiment un pro Cycons. So, let's go, les gars. Je m'éloigne en espérant... Ouh! Je pensais que j'étais tombé! C'est en espérant qu'on puisse s'éloigner encore puis trouver un esti de forteresse. À tout de suite. Écoute, j'ai trouvé une forteresse! Parfait, je sais pas si elle est explorée sûrement. Oui, on voit les piliers ici. J'ai acheté aussi des perles dans le magasin vu que je pensais en manquer. So, j'ai acheté deux stacks pour 400. Là, il me reste genre 20 centimes normalement. Oh, même... Ok, quelqu'un qui nous a envoyé de l'argent, j'imagine. Ouais, je me souviens plus comment on a fait cet argent-là. Attendez, on va juste perdre là. Voilà. Et malheureusement, je n'ai pas de pioche. Ok. Set home nether. Spawn. Ah, what the fuck, on va faire home. Ouh, appareil. Slash home base. Et, c'est home farm. Tel home blaze. Tel home spawner. Oh. Spawner, let's go. Et là, on a juste à prendre une pioche. Voilà, ça va faire ça. Slashback. Et on pourra explorer ce magnifique spawner de Blaze. Oh, t'es où? J'ai pas le temps de niaiser, moi. T'es où? Montre-toi. 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 Petit coquin, montre-toi. Oh, petit coquin.
Là. Non, dites-moi pas qu'il a déjà été pris. Vous êtes de flûte. En fait, les gens, ils peuvent les casser, les spawners. C'est ça qui est dommage, en fait. C'est que les gens, s'ils le trouvent, s'ils n'ont pas de piège à spawner, ils vont le casser. Fait que ça va être hyper difficile d'en trouver un qui n'a pas été cassé. Mais j'y crois. So, on continue. Je me fais tirer dessus par un gars invisible, Carlis. Ah ben, Carlis. On peut être par là-bas, là. What? Oh oui, les gars! Oh mon dieu, les gars, je pense que j'ai trouvé quelque chose. Flame. Ah! Oh shit! C'est clean, je pouvais pas poser le bloc. Ouais, c'est pas grave. Il y a un gars dedans, non? Je suis pas sûr. Ah, tabarnak, je suis coincé ici, les gars. Ok, bon. Je vais trouver une solution de monter en haut, puis je vous retrouve après. Ok, j'ai réussi à monter ici et est-ce que je peux comprendre, ils ont peut-être pas tout claim, ils ont claim celui-là qui était là, mais tout le truc est pas claim, fait qu'il y a peut-être des chances encore les amis qui ont pas pété le deuxième parce que peut-être qu'ils voulaient l'aménager ou quoi que ce soit, fait que nous notre but ça va être de checker pour essayer de voir si on peut pas en trouver un autre, si on peut pas on va aller là-bas, puis qu'est-ce qu'on va faire c'est qu'on va tout péter avec nos œufs de creep, jusqu'à temps qu'on pète le spawner parce que bon... Ça sera un peu à cause de eux qu'on n'a pas trouvé de spawner. Donc ouais, il y a des gens qui sont venus ici, ça c'est clair, net et précis. La question c'est de savoir s'ils ont pété les spawners de Blazerino. Bien sûr, ceux qu'on recherche activement. Donc, est-ce que je peux témoigner ici? Il n'a pas l'air d'avoir de spawner de Blaze dans les alentours ici. Par exemple, Whoopelai. Oh oh oh! Par exemple, mesdames et messieurs, ici, le stronghold continue. Le stronghold, the fuck. Le truc du nether continue. Oh shit, j'ai encore tombé. Ça a pas l'air d'amener nulle part par ici. Peut-être, non, pas non plus par là. Peut-être en haut là, c'est notre dernier petit espoir. Sinon, je pense... Oui, les gars. Oui. Est-ce que c'est claim? Non. Oh my god, les gars. Oh my god. Yes! Yes, les gars! Yes! Oh my god! Deux épisodes de suite, les gars! Puis deux épisodes qu'on a vraiment des bons spawners. Spawner à Blaze. Oh my god! Oh my god, guys! OMG Blaze! J'ai un Blaze et un Iron Golem. FCP pin. Holy fuck, les gars. Oh! Yes! Oh my god, je savais que... Mais on va quand même aller péter la truc à eux autres, ok? On est des fils de pute. Let's go. Oh shit, c'est vrai, j'avais oublié qu'on avait pas les... On perdait pas les dégâts de shit. So, attendez, on va attendre... Ah, c'est par là, j'avais... Je sais pas pourquoi je m'en allais là-bas. On va monter sûrement pas loin d'ici, là. On va monter ici, pas très loin, je pense. Genre... Voilà, ici. Et là, on va essayer de perdre, genre, là en haut. Puis on va pouvoir se rendre tranquillement là après. Puis on va pouvoir aller les péter. Si tu veux, tu peux venir les mettre ici. Après, à toi de voir. Non, mais t'inquiète, je vais me faire une... Yes! Non! Oh, tabarnak. Bon, je vais monter à la main, alors, vu que ça a pas l'air de fonctionner, mon plan. Donc, ouais, non, en fait, je vais pas les mettre avec eux. Je vais me faire une base secrète, genre, à moi. Puis je vais les mettre là-bas, genre, vous comprenez? Comme ça, ben... Comme ça, je sais que je me ferai pas trahir, etc. Puis ça va être juste ma farm personnelle ou ma base personnelle. Je vais la faire sûrement avec Coralie. Ça, c'est pour ceux qui connaissent Coralie. C'est Pichounet. Donc, c'est ça son pseudo en jeu, hein, les gars. J'invente rien. Vous faites genre F-Show Pichounet. Quelque chose comme ça. Elle est dans aucune faction. Donc, très intéressant. Donc, ouais, elle a pas de faction. Fait qu'on va sûrement créer genre une petite faction solo, nous deux. Ou on va rejoindre une faction, attendez. Donc là, je vais avoir besoin de ça.
J'ai 8 œufs de creeper à gaspiller, les amis, pour faire chier les autres. So. Ok, il y a 4000 blaze, le gros. Gros, il y a 4000 fucking blaze. Le gros. Je believe, t'es-tu là? Test, je believe, test. Je believe, il y a 4000 fucking blaze. Le gros, je niaise même pas. Non! Oh! Oh! Clutch pill! Clutch pill! Oh my god. Oh my god. Les gars. Il y a du stuff ici, en tout cas. Hey, hey, je récupère pas le stuff, j'ai oublié. Ok, attendez, on va péter le spawner. Yes, sir. Puis là, on va voir le stuff qui reste. Power cap, non. Oh, calme-toi. Oh, qu'est-ce qui se passe ici? Je veux juste récupérer les trucs intéressants. Punch 1. Ouais, c'était pas mal de la merde. J'oublie, torse-toi! J'oublie, tu me distrais dans mon action que je suis en train de faire. Il y en a vraiment 4000, j'oublie. Ok, j'oublie, torse-toi. Jubilee, on se retrouve tantôt, je vais farmer tous les trucs. En fait, ça va être un peu le bordel, les gars. Faudrait réussir à les trapper dans un coin ou quelque part, parce que là, en fait, ils me font perdre des dégâts. Puis mon P4, il s'abîme. Mais bon, c'est pas grave, si le P4, on peut le récupérer avec toutes les blaze routes qui nous drop et tout. C'est pas ça le souci. Le souci, c'est plus le fait que ça va être crissement long à tuer 4000 trucs comme ça. Surtout que je pense pas qu'ils respawnent, ils respawnent pas, mais Chris que c'est long, les gars, si vous comprenez juste pas. Fait que, let's go, à demain. Ok, les gars, je vais faire venir la faction parce que... Oh shit, j'ai plus de cœur bientôt. Oh shit, je regardais pas mes cœurs, j'étais en train de demander à la faction de stepper. Il y a vraiment énormément de blaze. En fait, ils croyaient que je rigolais, mais non, je rigole pas, en fait. Il faut vraiment tuer toutes ces esties de blaze-là. Donc là, oh, il y a le mono qui s'est tapé, c'est Jubilee qui est là. Jubilee, décolle, si tu prends toutes mes blazes, c'est petite fif. On va taper les abonnés fidèles en espérant qu'ils sont dans notre faction. Eh non, Jubilee, qu'est-ce qu'il fait, Oh! Shit, je suis tombé. Je suis bientôt niveau 100. Non, faut pas qu'il s'enfuit, S'il sort de stock. Oh, non! S'il sort du corps, on est mort. On les perd. Ils sont partis où? Ils s'en vont. Non! Non! Repose en paix. Blaze. Adios, amigos. Adios. Adios, amigos. Je viens te chercher. Oh non, j'ai oublié que j'avais pas de fireless. Oh my god, je suis calme. Les gars, c'est pour une bonne cause. On en sauve 90%, ils tombent dans lave, mais on en sauve 1%, les gars. Pour ça, 1%, c'est pour ça 1% qu'on se bat. En vrai, je pense que je vais mourir là, si je continue à faire des bêtises. On va essayer de perdre sur la petite île qui est là, please! Oh. Oh non, je vais mourir. Oh non, j'ai des heals encore, je pense. Faudrait qu'il soit... Oh my god, what the fuck, les gars. Oh mon dieu, franchement, j'ai aucune idée de ce qui vient d'arriver, les gars, mais on a récupéré un spawner de blaze, puis on a trouvé 4000 blaze, so, ok d'accord, si vous voyez, faudrait juste qu'on essaie de les faire remonter en haut, là, attends, il me suit, ok, c'est parfait, il me suit, fait que s'il sort du claim, on va les emboîter quelque part, viens-t'en, ou hop là. Pourquoi je lance deux potes à chaque fois? Est-ce qu'ils me suivent? Ils sont là. Viens-t'en. Oh oui, ils me suivent, esti. Oh oui, les gars. Viens-t'en ici. J'ai ici. Viens-t'en. J'ai ici. Oh! Viens-t'en ici. Attends. Il veut sûrement me suivre. Viens-t'en. Ils sont où? Viens-t'en. Faut que tu viennes ici. Ok, le trou est peut-être pas assez gros pour qu'il rentre. Ah, il se cache là, les tabarnak. TP.
Oui, j'oublie, ils ont poussé à l'intérieur. Oh non, c'était pas très légal ça. Mais j'oublie, ils ont poussé à l'intérieur. Fait que là, on va pouvoir les tuer. Shit. Bon ben les gars, on se retrouve demain matin, salut. Les gars, on a réussi à trouver une technique, on a enfermé les blazes. Puis là, on se prend chacun de côté, tout le monde tape les blazes, ça va aller quand même assez vite. Tout le monde, toute la faction est quand même vachement contente. Comme je dis, ça fait super, c'est la première fois de ma vie les gars que j'ai joué autant de blazes. Fait que ça va être sûrement ça le titre de la vidéo, même si on a fait un pillage. Puis récupérer un spawner à blaze dans le nether. 4000 blazes les gars, faut le faire quand même. C'est un truc de fou. Fait que on va essayer de tuer toutes les 4000 blazes avec l'équipe. Puis on se reprend ben la semaine prochaine encore une fois. What's up boys, on continue de farmer un big blaze avec la famille, on était à 4000 et là on est rendu à 2400. On est genre 5-6 à farmer, on a déjà un double coffre presque rempli, ça je vais vous montrer. Deux blaze road, tout ça en plus qui sont échangeables en fin de semaine contre le PNJ, le Trump PNJ. Ça on va aller échanger tout ça, quand le coffre sera plein je vais y aller moi-même, soit tout de suite. Les gars mettez tout ce que vous avez les gars, mettez toutes les big blaze. J'arrête de filmer, sur mettez tout, je rec. Ok. Je vais mettre dans la coffre d'en bas, je vais mettre ça, toutes les affaires que j'ai récupérées. Donc, vous avez compris, j'ai utilisé mon fixe, les gars. Vous n'êtes pas cons. Fait que, let's go, je vais aller vendre ça au spawn. So, let's go, on va voir combien ça se vend, puis combien qu'on peut avoir pour, je crois. Oh, oh, ton micro raton, tabarnak, style, je suis peu importe. Même pas avec versus 15, vu que. What the fuck? Trump. What? Il y a juste ça? Bon, ça donne 10 émeraudes chacune. Let's go. C'est calissement OP. Je pense qu'on va le réduire, les gars. C'est crissement OP 2 stacks pour 10, là. C'est-tu vraiment. C'est-tu OP, les gars, ou c'est juste nous, parce qu'on a plein de trucs comme ça? C'est parce qu'on a plein de trucs de même. Ouais, sinon, c'est pas OP, right? Je sais plus. En fait, je sais plus. Je pense que normalement, il y avait des verrues aussi dans cette PNJ-là, pis tout. Juste que. Il est pas terminé. LP a pas dû le terminer. Vous connaissez LP, ST, il finit jamais les affaires qui commencent, le call de fif là. Et il te ressemble. Ouais, j'avoue. T'es drôle, hein? C'est une blague, on est pas comme ça. Slash back. Qu'est-ce qu'il me reste deux cœurs? Go PNJ Trump et revient. Perso, j'ai 2 stacks et 32 émeraudes. Fuck man, 2 stacks plus 32 d'émeraudes, les gars. Let's go, on continue, on lâche pas. J'ai littéralement trouvé la meilleure femme du serveur, les gars, no joke là. Asti. Dis-moi combien de TPS je fais. Toutes les émeraudes, puis tout ce que ça fait. Chérie, faut pas que tu vises un bloc ni un mob. T'es-tu vraiment en train de tester ces CPS, genre? Moi je fais 7000 CPS vu que je suis trop BG. Icon aussi. Moi je suis trop fort. Oh bientôt moins que 1000 les gars. Moins que 1000, moins que 1000 bientôt. Oui, moins que 1000. Oh, oh mon dieu. Oh mon dieu les gars. Oh mon dieu. Tabarnak, ça fait du bien. Asti, ça fait du bien. Oh, spawn. Je vais aller vendre. Qu'est-ce qu'il y a déjà? J'ai même plus de patates. Faut que j'achète de la bouffe. Y'a-t-il quelqu'un qui vend de la bouffe dans le market? Hop là. Et slash bébé. Ah oui, c'est vrai. Merci, j'avais pas réfléchi. Slash balle, j'ai combien? 1800. Damn. Dans slash balle, j'ai combien? Oh là. 13000, damn. Damn! Daniel! Oh, moi j'ai une musique de Damn Daniel. Non, ça va aller, je suis en train de faire une vidéo sur. Si tu veux, je peux chanter. Eh, je peux chanter pour ta vidéo. Non, ça va aller aussi, mon beau. Moi, je vais faire du rap. Vous me faites peur, les gars, franchement, là. Moi, pis il se trinque en duo. Je pense que c'est trop OP, ce PNJ-là, plus que j'ai réfléchi. Ben, peut-être c'est juste nous, là, mais... À cause de nous, mais... je pense que c'est PNJ-là... C'est parce qu'il y a personne qui s'en sert aux 4600 blaze dans le nether, là. Ouais, je sais, là, mais imagine la faction qui l'avait, là. T'sais, avant qu'on les raid. Parce que je sais pas. I'm gonna take down this bozo, little guy! He's down. C'est bon, je l'ai tué, je l'ai battu. Thanks. Easy money. Easy money, motherfucker. Ok, we're gonna take down this bozo again. Let's go. C'est-tu le même gars? Non, c'est Asmug Asmug TV. Yes! We take down that bozo again, folks. Bye, Julie, je t'aime.
Damn, bonne nuit, Jubilee. Jubilee parti, j'ai en internet. Donc, on pourra plus se faire give des P4. Oh, il reste 80. Hey, 80, les gars, 80, let's go. Vas-y, go, j'ai cliqué. Cliquez votre vie. Allez. C'était quoi ça? OMG, on a pété 4000 fucking blaze. On a-tu vraiment pas de vie, les gros? Ça fait genre fucking 40 minutes. Genre, au-dessus de trop d'une heure et demie que je fais ça, là. Aïe, là, est-ce que j'ai pas de vie, man? Oh my god, 40. C'est long pareil, esti, on a fait ça pendant fucking de temps. J'ai dû repair mon épée deux fois, man. Je vais aller voir combien de blaze que j'ai tué. Juste à moi tout seul. 19, 20. Les gars, c'est la fin pour les blaze. On a vaincu, les gars, on a vaincu. Un petit tabarnak de colis. Plus de blaze! GG! Attends, GG! Mettez tous vos blaze road. GG. J'ai... Ah, j'ai juste kill, c'est ça. Mettez tous vos blaze road. Ah, y'a quelqu'un qui les a volés. String serve, mais là sinon on les. Non, je te jure, c'est pas moi! Là, tiens, moi j'en ai. Les autres, c'est Monkey. Monkey. C'est Monkey, check il a back. Check, il est parti, c'est Monkey. Moi je bats les couilles, je voulais juste les P4. C'est qui? C'est qui a les trucs? Ok. Bah, moi j'ai pas envie de le mettre là. C'est bon, j'ai récupéré le reste, moi je vais aller au spawn. Monkey. Teleport, c'est teleport. Shit! On va voir comment ça donne les gars. Mais je pense pas que ce PNJ là va rester. J'ai demandé à Jubilee de le modifier un peu. Je sais pas qu'est-ce qu'il a modifié pour qu'est-ce qu'il a modifié. Ok, what the fuck? Ok, ouf. Je pensais qu'il allait pas remettre ça. Fait quoi, ouais, je pense qu'on va le changer. Peut-être pas tout de suite, on va le laisser un peu quand même, là, mais je pense que c'est vraiment OP. Peut-être que c'est peut-être juste nous. Une personne qui a un spawner de blaze normal, ça doit pas. C'est pas si OP que ça. Parce que voilà, on peut pas l'échanger, quoi. Mais en gros, voilà. What the fuck? On a combien de blocs, on va voir. Attends, il n'y a pas une table de craft ici quelque part? Ouais, là. Donc, on va crafter... What? Ah non, il nous a manqué, j'allais dire. On peut peut-être crafter fucking d'affaires, mais non. On peut crafter 48 blocs. Attendez. 40... Ouh, pile poil. 56 blocs d'émeraude étoile. What the fuck? On va les échanger contre des points. À l'instant. 4 points. Let's go. TP toi. TP. Ah, tell for monkey. Ça nous a donné 4 points. On était à 8 points d'un côté. Les autres gars de notre fac sont à combien, vous pensez? Ok, les gars, c'est des coups. What? Ok, what the fuck? Ok, je suis cave. 3, 6. Oh non, j'aurais dû aller dans cette PNJ là. En fait, depuis tantôt, on s'est fait arnaquer, les gars. Oh non. Attends. Attends. 32, ça donne 3, ok? Puis tandis que 64, ça donne 10. Qu'est-ce qui est plus rentable? 3, ça fait 12. T'as 2 émeraudes plus par 2 stacks. Ouais. 32. Oh my god. Asti, on s'est fait fourrer, les gars. On aurait pu avoir genre 10 points. Asti, en fait, c'est de l'arnaque, ce PNJ là-bas. Fuck. De prendre 15. J'ai perdu genre 15, genre 2 points au total avec tous les échanges qu'on a fait. Oh, tabarnak. Achète-moi des haïkis avec tes points. Non. T'es-tu cave? Non. Pourquoi je t'avais traité des haïkis? Parce que... You TP, tel fort. Je vais me TP à lui. On va voir qu'est-ce qu'on a. Moi j'ai des points perso. Je pense que je vais les mettre dans le classement. Pour cette faction là.
Ouais, pas là. Drop les blocs. Oh, c'est une quoi, c'est une autre base. Set home base, I guess. Je suis rendu à 105. 12. T'as combien de points? Message, tel fort. T'as des points. FCF. Les gars, donnez vos points. On va tout mettre au classement. Go. Donc, on va mettre ce. Boom! Ça sert à rien parce qu'il meurt à ça. Ouais, puis c'est pas grave. Je l'ai vendu ou non? Okay. J'en ai 8. 4000 par point. Ça vaut combien un point? 4000, moi j'ai. Y'a-tu des gens qui les achètent, genre? Ouais, moi, ça... moi quand je l'ai mis à 3000, il s'est vendu. Je pense qu'on va faire le classement. Moi, je fais le classement. C'est genre une box. Là, j'ai ragé en cré. Faut juste la merde. Qui on est à 10. On est point classement. On est. Attends. Point info seul au monde. On est 11. What? On a. What? Ok. On a 11 points. On est égalité avec la OTC. On devra farmer. Bon! À tout de suite. Ah oh, ben, Chris, on peut avoir un autre point. Let's go. Point. Submit, voilà. Normalement, on devrait être correct. On est 10e. GG, les boys. On est arrivé en une soirée, on est arrivé 10e. Dans le top 10 en une soirée, les gars. Vous voyez, si tout est possible. Oh, j'ai un autre point. Quelqu'un m'a donné un autre point. C'est qui? C'est Freak, sûrement. Let's go. On est rendu 9e normalement. On est égalité au 10e rang. What? What? T'as encore 10. What? Je crois que j'ai trouvé un bug. Ah non, j'ai pas... Ouais. J'ai pas submit la commande correctement. Oh, oh, ok, oups. 9e. GG. Ah là 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 là. Les gars, ça va bon super vite. Moi. On est 9e. C'est quoi? C'est toi OTC? Non, moi c'est Divergence. Ah ben là, je vais te drop bientôt, man. Non, on est égalité, les gros. On est égalité. Bref, les gars, j'espère que l'épisode d'aujourd'hui vous a fait plaisir. Si c'est le cas, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, c'est Tyconz. Bye. Ciao, ciao.